Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les encourage en ouvrant la boîte? Bien sûr. Allons-y. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Wow. Si je rêve, tant pis. Je ferai l'été en novembre. Je la réchaufferai pour pas qu'elle tremble. J'inventerai les mots du silence. Je lui ferai du bleu sur des mots tendres. J'apprendrai à vivre autrement. À sa façon et loin des gens. J'irai chercher l'inaccessible, l'infiniment sentimental. Pour elle, ci prendemo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci taglio poi la via con un tamburo di latte e una scia e poi quel suono rimbalzo su di noi, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggerle con dentro di te. Delle prime parole d'amore io ti amo.
quando la neve di silenzio in bianco, tutto quel chiasso centro della città, e nel nostro parole gelo, io ti amo, il mio rifugio. Qui se rencontrent dans l'ascenseur, déjà le désir monte. Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre, seuls, tout seuls au bout du monde. Seuls, là-haut dans cet hôtel de verre. Ça commence comme un fait divers. Je t'ai offert un verre. J'ai allumé ta cigarette. L'alcool me montait à la tête. Les yeux dans les yeux. On a ouvert le feu. Il y a 3 milliards d'humains sur Terre. Et combien de cœurs solitaires. Pourquoi nous deux? Pourquoi nous? De feeling. C'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Santa et Natacha Saint-Pierre pour Richard Cochian. Qui, ça le démangeait de venir vous rejoindre. Wow, c'est formidable. Merci à toi. Merci infiniment à tous les quatre. Emma, c'est vrai que vous avez déjà repris, Emma Peters, pardon, vous avez déjà repris un tube de Richard. Pourquoi elles sont si intemporelles, ces chansons? Et comment elles sont arrivées à vos oreilles? C'est un souvenir c'est pour des, vous pff, c'est des mélodies qui sont invincibles et intemporelles. Ça ne s'oubliera jamais, c'est de génération en génération. Moi, ça me touche beaucoup, donc c'est vraiment un plaisir de reprendre vos chansons. J'aime bien des mélodies invincibles, j'aime bien. Oui, ça marche à tous les coups. Damien, vous faites partie des 25 ans de Notre-Dame de Paris. Exactement, des 25 ans de Notre-Dame de Paris. Ouais, c'est un grand plaisir de retrouver, je l'avais fait il y a 25 ans, et voilà, je reviens 25 ans plus tard, c'est assez Tu l'as fait pas, ma belle. Ouais, c'est ça, et vous, voilà. Santa, qui vous a fait découvrir Richard? Est-ce que c'est vous, c'est même vos parents collectif. Peut-être L'inconscient collectif. L'inconscient collectif. On parlait d'être invincible. Je pense que les grandes mélodies traversent les cœurs et les cultures. Et c'est une chanson qui m'a traversée quand j'étais plus jeune. J'étais bien fière et toute tremblante de la chanter. C'est vrai? Oui, devant toi, vous. J'étais vraiment fort heureuse de ça. Ça s'est pas vu. J'ai même plutôt trouvé que vous vous amusiez tous les quatre. C'est vrai que le question de feeling, on a tous envie de se regarder et de faire « ah ah ». D'ailleurs, je le faisais un petit peu avec Richard. Natacha, vous vous connaissez, vous, avec Richard, depuis longtemps. Oui, moi, c'est le premier compositeur avec lequel j'ai travaillé dans Notre-Dame de Paris. Et du coup, j'ai jamais été aussi nerveuse que de faire une surprise à Richard, parce que c'est un grand compositeur et on a envie qu'il soit content. Voilà. Je voulais vous remercier tous. Ça a été vraiment une surprise formidable. Et je dois dire que c'est merveilleux de voir et d'entendre les nouveaux artistes, les artistes plus jeunes, chanter de mes chansons. Bien sûr. C'est un grand, grand, grand cadeau. Merci beaucoup. Merci Richard. Alors Santa, votre chanson Popcorn Salé, qu'on connaît toutes par cœur, cartonne, et votre EP 999 est toujours disponible. Emma, après votre premier album Dimanche, qui vous a valu une nomination révélation aux Victoires de la Musique, vous revenez très vite avec un nouveau projet, une tournée. J'arrive très vite, ça va être génial. Eh ben, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais vous allez voir, ça va être super. On a hâte. Merci Emma. Damien, je rappelle donc que vous êtes en tournée dans tous les Zéniths de France avec les 25 ans de Notre-Dame de Paris.
À tout à l'heure. Et Natacha, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci Vincent Vidal. Merci. Je suis touchée de voir leur émotion à vos côtés et à quel point ils sont impressionnés.